Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, bienvenue dans cet épisode 73 de notre LP sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Écoutez les amis, aujourd'hui épisode 73, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons continuer nos quêtes secondaires à la recherche d'un 100% en fait, et du coup des dernières tenues, et aussi on va faire un sanctuaire encore une fois supplémentaire, vous allez voir, ça va être juste génial. Du coup on se retrouve dans le village de Zéro, après avoir construit en entier ce village, après avoir donné vie à cette petite province de Zéro, donc qui se trouve en Akala, et après avoir célébré le mariage de Grosaï avec elle là-bas, la Gerudo. Du coup aujourd'hui les amis, on va visiter un peu le village, car il me semble qu'il y a quelques quêtes à récupérer, comme par exemple pour ce petit monsieur. Donc il sort celui-là: qui es-tu? Je suis un voyageur, je n'ai pas le temps d'écouter babiller la plèbe. Ah oui, le mec ça doit être un ancien seigneur tu vois. Mais je sens l'âme généreuse aujourd'hui, je vais faire une exception. Toi, vu ta tenue, je parie que tu as le porte-monnaie qui crie famine. En effet, j'apprécie ta franchise. Dans ce cas, je vais te donner en avance 100 rubis, disons. Une avance? Peu importe, c'est pour toi. Donne la patte. Oui, si tu veux. Très bien, on obtient de l'argent, c'est cool. Oh, tu as accepté. Alors écoute ce que j'ai à te dire. Connais-tu la tourbière de Traquin, qui s'étend à l'ouest de ce village? Sais-tu qu'il y a des gardiens là-bas? Il y en a même deux. C'est terrible, n'est-ce pas? Terrible, un seul suffirait. Pourquoi faut-il donc qu'il y en ait deux? C'est pourquoi j'aimerais que tu nous débarrasses des deux gardiens qui marchent dans la tourbillard de Traquin. Caprice de nouveau riche. Ok, mais ça c'est faisable, écoutez, c'est très très vite faisable. Je savais vraiment pas ce qu'il me voulait pour le coup. Mais c'est très très faisable. Du coup, on va aller voir dans chaque maison s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous léguer une quête à chaque fois. Ensuite, comme on a les éléments pour résoudre plusieurs quêtes, les gars. Oula! Oula! Oh, ça c'était le bug du siècle! Oh putain, les gars! Ah, ça c'est beau, ça c'est à noter. Moi je vous dis, ça c'est à noter, le truc qui a été mal codé à ce niveau-là. C'est pas grave, hein. C'est normal. Normal qu'il y ait quelques bugs, comme par exemple pouvoir sortir de la zone de combat au combat final, pouvoir faire certains trucs comme ça. Mais après, c'est pas dérangeant. Au coup, vu la beauté du jeu, on peut leur pardonner. Mais c'était plutôt marrant, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à ça. Alors. Bonsoir. Bonsoir, je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a sorti fragile, alors mon mari a acheté une résidence secondaire dans ce village. J'aime bien vivre ici, il y a peu de gens, l'air est bien. Ça ne me fait pas plaisir qu'il nous force à venir nous installer ici, mais je dois reconnaître qu'il avait raison. J'ai l'impression que notre fille va un peu mieux. Si seulement elle pouvait manger un peu plus, ça serait établi beaucoup plus rapidement. Ok, bon. Écoutez, s'il nous manque des quêtes ici, au bout d'un cas, je reviendrai, mais là pour le moment, on n'a rien dans cette maison. Alors ici, il y a quoi? Ah, bonjour monsieur. Link, serais-tu à la recherche d'un repas et d'un gîte? Non. Non, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Donc là, je suis dans l'auberge. Donc on va aller voir en haut s'il n'y a pas un petit caca. Au coup, là, c'est totale visite du village parce que la dernière fois, je l'avais pas fait. Qu'est-ce que cette chose? Qu'est-ce que ce panier repas? Très bien. Ok, de là. Le mulet. On sent pas les steaks. Attends, c'est pas là où il y avait le gars. Oui, c'est là où il y avait le gars qui nous vendait nos tenues. Et ici, il y a quoi? Et ici, je ne sais pas. Donc je crois que c'est la maison de Grosaillé et de Seras... comment elle s'appelle? J'ai un doute. Cornuyé. Ok, alors ils ont peur de moi, c'est chelou parce que je suis en monstre, hein, c'est tout. Donc, mais écoutez, c'est où la tourbière? C'est où la tourbière? Je sais pas où c'est la tourbière. Tourbière de Tracking. Ok, mais écoutez, on va aller débarrasser le petit riche des gardiens. Pour le coup, du coup, j'imagine que les gardiens doivent être par là. Il me semble que j'en avais tué un dans l'épisode précédent. Mais même, il me semble que j'avais tué les deux dans l'épisode précédent. En fait. Où j'avais vraiment été no respect, mon petit pote. Bah ouais, mais... Oula, putain, ils m'ont fait peur. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais je crois qu'on l'a fait. Oui, on l'a déjà fait, en fait. On a réussi à résoudre cette quête. Du coup, on va aller le revoir, le petit monsieur. Quand même, on va aller lui parler. Mais normalement, oui, on l'a faite. Il me semble, je crois, j'espère. Enfin, je comprends plus ce qu'on fait ou pas. Je me rappelle plus, on fait tellement de choses en ce LP que... Yolo Soy, je ne me rappelle plus de rien. Je ne suis plus maître de mes mots, je ne suis plus maître de mon corps, je ne suis plus maître de mes pensées. Oh mon dieu. Du coup, le petit point jaune, il est là-bas. Et j'ai mis cette tenue parce qu'on va plus vite la nuit. J'aurais pu très bien mettre la tenue chez Ika. C'est vrai, vous avez complètement raison. Pour un peu plus de défense et tout. Mais bon, c'est vrai que... J'affectionne particulièrement cette tunique. En plus, j'adore le petit bruit du maillet. Le maillet me fait plaisir. Le maillet me fait très rire aussi.
Bonjour. Elle s'affaiblit. Ah, tu veux attendre qu'il fasse ce jour, c'est ça? Attendez, bon, on va attendre qu'il fasse jour, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas, mon petit pote. Tant que tu me prends pas pour un con jusqu'à l'aube, moi, ça va. Du coup, jusqu'au matin. Alors, je vous avoue que j'ai rien préparé pour cet épisode. Je sais juste quelle quête j'ai à faire ou non. Le sanctuaire qu'il faut que j'aille visiter. Parce que franchement, c'est un des sanctuaires les plus cools que j'ai vu. Parce que j'ai fait un peu ma petite visite et franchement, c'était pas mal. C'était plutôt sympatoche. Alors, mon petit pote. Ah, c'est toi. Pourquoi viens-tu donc me déranger? Je les ai vaincus. Oui, je suis au courant. Tu as vaincu des gardiens. Ils étaient deux, ils marchaient, ils étaient dans la tourbillère de Trekkin. Le compte est bon. Comme promis, voici le reste de la récompense. Il donne la patte. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Me dis pas que tu n'es pas content. Comme ça, l'avance était plus grande que le reste de la récompense. Ah, la plèbe, toujours à se plaindre. Une avance n'est pas toujours plus faible que la somme restante. Ce n'est qu'un fantasme de vous autres, les pauvres. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini avec toi. Alors, du balai, du balai! Et prends un coup de maillet, prends un coup de maillet, bouh! Bouh, coup de maillet! Ok, bon, très bien. Bon, ce mec était ultra désagréable, plus jamais je l'aiderai. Et aujourd'hui, on va partir tout simplement. Ah, ce relais, parce que ce relais, je vous rappelle qu'on avait aidé les amis de Sésame. Et ces amis de Sésame, tout simplement, ils sont allés retourner voir Sésame. Il faut juste maintenant qu'on confirme la quête, donc sûrement on aura peut-être une récompense ou une merde dans le genre. Mais on va réussir à checker ça. Ensuite, on montera, parce qu'il y a le sanctuaire en fait qui se trouve juste à proximité que j'avais loupé. J'avais loupé un petit sanctuaire comme ça. C'est ballot, mais ça arrive. Et ensuite, on ira voir, enfin, on fera le listing des quêtes et au fur et à mesure, on ira dans les endroits les plus propices pour résoudre ces quêtes et aussi tout simplement les valider parce que on a, je crois, 8-9 quêtes qu'on a déjà validées. Du coup, maintenant, faut juste les faire ou sauf, faut juste faire un petit combat par-ci par-là. Bref, tu m'as compris, c'est pas bien compliqué en somme. Alors, déjà, vous voyez ça? Ça, je vais récupérer. Pourquoi? Parce que le mec. Oh, il y a un Korogu ici. Eh, Korogu ou pas Korogu? Franchement, entre nous, super. Ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas eu de Korogu, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte. Hop là. De plus, j'ai remarqué au niveau donc, des quêtes sanctuaires, donc je les ai toutes faites, mais est-ce que j'ai toutes... Ah, zut de flûte. Est-ce que j'ai tous les énoncés pour les quêtes? Non, du coup, j'irai juste les récupérer comme ça. Pour le coup, comme ça, c'est... Ça sera pas plus mal. Hop là. Hop. Nickel. Bah parfait. On va aussi récupérer tous les... Oh, bonjour Azarim. Comment ça? Alors, Sésame. Oh, c'est toi, je t'attendais. Tu les as tous sauvés, pas vrai? Ils m'ont raconté que tu avais vaincu ces monstres sur la plateforme étroite comme un vrai héros. Tu es vraiment incroyable. Quand on a enfin été tous réunis, j'étais un peu ému. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Ah oui. Ah oui. Désolé, ce n'est pas grand-chose, mais on s'est tous cotisés. Après tout, nous ne sommes que des voyageurs. Enfin, cette histoire m'aura fait prendre conscience de quelque chose. Je me suis rendu compte à quel point il est important d'avoir des amis. Mais en même temps, à trop s'inquiéter pour les autres, on en oublie de se protéger soi-même. Quand le danger guette à chaque part, on ne peut pas se permettre de jouer sur ce sentiment. C'est pourquoi on a décidé de partir chacun de notre côté. Quand on voyage, le plus important, c'est la sécurité. Il est vrai que c'est important de se faire des amis, les amis. Oui, tout va bien. De se faire des amis, mais n'oubliez pas que les amis, malheureusement, bah, ça peut être là comme pas là dans tous les mauvais moments. Mais, en tout cas, c'est très bien à avoir, et franchement, si vous voyez qu'un ami vous exploite, vous fait un truc dans le genre, vous fait des coups dans le dos, tu vois, par exemple, qui te fait vraiment un sale coup derrière, c'est que c'est pas un ami, les gars, tout simplement, mais avec les amis, entraidez-vous, ça sert à ça, aidez-vous à travailler, aidez-vous à aller de l'avant, aidez-vous à, comment ça s'appelle, à être plus fort en soi. Au bout, c'est tout ce que j'ai à vous dire, car très clairement, les amis, c'est important. Mais n'en faites pas une fixette non plus. Parce que les amis, c'est là pendant un temps, mais c'est pas là peut-être pour toujours. Peut-être que dans 10 ans, vous aurez d'autres amis. Et c'est normal, les gars. C'est normal. PS, mes potes, je vous aime, hein, les gars. Vous inquiétez pas. Pour le coup, je vous adore tous. Et j'espère vous avoir au plus profond de mon cœur pendant très, 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 très longtemps. Bref, oui, je regrette ce que j'ai envie de dire. Même si c'est un peu vrai, dans le fond. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la vie, j'ai eu quelques expériences avec des amis. Pas très, enfin que je recommande pas du tout à d'avoir dans la vie de tous les jours, hein. Très clairement. Enfin, je me rééquipe un peu parce que je n'avais plus d'armes au vu du mariage, je m'étais démuni de toutes mes armes, comme ça je faisais peur à personne, mais bon. Là, on peut se permettre de les remettre, hein, on va pas se cacher. Donc là, si vous demandez ce que je fais, tout simplement, je vais jusqu'au point bleu, qui est plutôt assez loin, on va pas se le cacher,
Mais on va aller au point bleu, les amis, tranquillement. Et à ce point bleu, il y aura des trucs importants à faire. D'ailleurs, une des tenues qu'on a eues récemment va nous aider pour cette quête. Oula, il pleut des rochers, dites-moi. C'est pas fou, hein. Franchement, les gars, après chute de neige, chute de pluie, chute de rochers. Tout va bien. Cette fois-ci, on n'a pas une tenue pour résister aux rochers. Je suis très, très déçu par ce jeu. Je pensais qu'il y aurait une chute. Enfin, qu'il y aurait... comment ça s'appelle? Une tenue pour résister aux chutes de rochers. Non, pas du tout, mais c'est comme la transformation rocher dans Mario Galaxy 2. D'ailleurs, je vous le ferai, Mario Galaxy. Mario Galaxy 1 et 2, c'est prévu que je vous le fasse en let's play, les gars. Parce que pour le coup, Mario Galaxy 1, ce fut mon premier jeu sur Wii, et ce jeu est génial. Ce jeu est juste génial. Il est ultra complet, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de bug. Il est très rageant sur certains trucs, mais il est génial. On est d'accord que jouer avec la gravité et tout, c'était juste trop bien. Pour ceux qui l'ont eu, évidemment. Pour les autres, bah, achetez-vous une Wii, achetez-vous aussi Mario Galaxy, parce que pour le coup, les gars, c'est une vraie pépite. Alors, donc normalement, je ne suis pas trompé d'endroit, c'est censé être en haut de cette falaise. Du coup, go! Go, 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 hop là! Facile! Enfin, easy, finger in the nose. Chtuck! Hop, et les gars, vous savez quoi? On va snobber les monstres. Comme Jaja, tu vois. Là, tu snobes les monstres. Alors, voilà! Génial! Avec nos amis Goron qui sont juste là. Je tiens bon, Nuke, courage! Gloire muscle! Oh, tu es celui qui a réussi l'épreuve d'un poireau de fer, le quatrième frère de fer. Eh bien, bienvenue dans notre centre d'entraînement ancestral. Nous nous livrons ici à une épreuve d'endurance. C'est chaud! Tu veux relever le défi pour devenir plus fort? Ici, nous nous affrontons pour savoir qui supporte le plus longtemps la chaleur. Je sude partout. Évidemment que tu relèves le défi. Après tout, tu as réussi l'épreuve d'un paroi de fer. Tu sais, on a beau être des gros, on a du mal à supporter la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud pour nous, viajons. Alors on est venu s'entraîner ici. Ça te dit toi aussi? Viens avec nous. Tu veux participer à l'épreuve d'endurance? Pourquoi pas? C'est ce que je voulais entendre. Voilà comment nous allons t'appeler. L'enflammé. Ouh, on m'appelle l'enflammé. Souffre, souffrez, bande d'ignorants. Monte dans l'arène quand tu seras prêt. Nous commencerons l'épreuve d'endurance. Alors, d'accord qu'il va falloir résister un peu à la chaleur, les gars. Du coup, pour résister à la chaleur, moi, je vous rappelle, on a un peu la tenue de sablon. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles ou que tu t'évanouis, c'est fini. Bon, on va pouvoir y aller. Que l'épreuve d'endurance commence. Et... j'attends comme ça? Faut vraiment que j'attende comme ça pendant longtemps, là. Oh, on nous encourage. Non. Non, mais les gars, FLC, je peux tenir. Moi, ça va, hein. Tout va bien, franchement. Moi, je sautille, tu vois. Je suis bien, là. C'est impossible. What the fuck. Mais les gars, vous êtes des cons, vous êtes en pierre, merde. Eh oui, et sachez-le, ils n'acceptent pas qu'on utilise la tenue de pierre, parce que pour eux, c'est une tenue de... bah, trop simple, en fait. On les a tous vaincus? Sérieux? Déjà? C'était facile. Franchement, c'est les jeux. Voilà. Y a pas d'autre mot. C'est vraiment impressionnant, j'ai du mal à croire que tu aies battu les frères de fer. Nous te donnons le droit de participer au niveau le plus élevé de l'épreuve d'endurance. C'est dans les terres où s'entraîner nos aïeux qu'il est possible de mettre le plus à l'épreuve son endurance. Tu vois la reine entourée de flammes derrière, ça ne te fiche pas les frissons? Il y a de quoi? Le centre d'entraînement très spécial se trouve dans cette arène. Lors de cette épreuve, tu devras non pas supporter la chaleur, mais survivre à une véritable fournaise. Reste concentré, ou ton corps pourrait bien prendre feu. Prépare-toi. Bien, avant de te risquer. Il paraît que si on arrive à tenir jusqu'au bout de cette arène, l'épreuve du héros apparaîtra. Dès que tu sortiras prêt à affronter l'épreuve d'endurance spéciale, saute sur l'arène. Alors, mais qu'est-ce que là, je vois? C'est de l'équipement anti-feu. Les durs de durs n'ont pas besoin de ce genre d'artifice. Je ne veux pas te voir avec ça sur le dos. Ah oui, donc là, il parlait bien de la tenue de pierre qui nous permet de ne pas nous enflammer. Mais du coup, d'accord, ça peut nous enflammer. Or, on a un remède qui nous permet de ne pas nous enflammer. Il s'apparente bien au remède Inifus. Du coup, je vais le boire. Et comme ça, on sera anti-flamme, on sera bien. Tu es monté sur l'arène, ça signifie que tu es prêt. Bien, les règles sont les mêmes que pour l'épreuve d'endurance standard. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles ou que tu t'évanouis, c'est fini. Que l'épreuve d'endurance spéciale commence. Bah écoutez, Ok, ça marche. Bah écoute, on va attendre. Moi ça me dérange pas, hein, pour le coup. Moi, je suis bien. Plus chaud, plus chaud! Mec, t'essayes de nous cramer ou quoi? T'es invincible! Eh oui! Et bien sûr qu'on est invincible, les gars, on est le héros, on a bu un remède Inifus, en plus on a la tenue de salon, donc bon, chaudement!
Chaud, chaud. Ah oui, chaud. Allez, gars. En plus, on fait des petits entraînements. La chaleur est ton ami. Oh yeah. Oh yeah. Putain, allez, là. Allez, allez, gars. Quelle température de feu. Quel tempérament de feu, pardon. Oui, parce que la température de feu, oui, yolo. Chaud comme la braise. Ah oui, oui, c'est bon. Ça chauffe bien en fait ici. C'est pas mal. Ah, j'adore les ongles. Vas-y, tu peux le faire. Mais bien sûr, les gars, que je peux le faire. Je suis là depuis une demi-heure, c'est bon. Le feu te consume. Non. Pas du tout. Wouah, c'est incroyable, incroyable. Quel homme, mais quel homme. Mais quel spectacle pour les yeux. Et les amis, là, le sanctuaire apparaît comme ça, comme par magie, comme une cerise sur le petit gâteau. C'est génial. Regardez-moi ça, l'avant-dernier sanctuaire apparaît devant nos yeux ébahis. Et oui, les yeux sont ébahis, les gars. Les yeux sont ébahis. C'est un truc de fou. Du coup, parfait. 119e sanctuaire. Oh, un sanctuaire est apparu. C'est l'épreuve du héros. Alors, les gens disaient vrai. Tu as remporté l'épreuve. Tu es le meilleur. Oui, je sais. Allez. Allons faire cet avant-dernier sanctuaire, les petits potes. Et comme ça, il ne restera plus que celui du château de Ganon. Du coup, c'est parti. Mais c'est quand même spécial, hein, le genre d'épreuve qui nous demande. Alors, mécanisme de Junichi. Pardon. Ah. Il faut que je leur donne tous de l'électricité. Ok, attendez, je suis en train de tourner ma manette, mais vous avez jamais vu ça. C'est bon. Hop, allez. Premier mécanisme de fée, ça, pour le coup, on a vu pire pour l'instant. Ah, est-ce qu'il y a des coffres ici? Je suis bien tenté de mettre le détecteur chez Ika. Pour les coffres, les coffres. Ok, c'est bon. Hop. 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 Merci bien. Coffre à proxy. Là-bas. Il est plus là-bas. Ok, très bien. En fait, c'était un faux là-bas, tu vois. C'était un... Et ici. Et sur cette plateforme, je parie. Oui. Je parie bien. Je parie très bien, même. Facile. Pas facile. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'aime bien parce qu'on a quand même encore l'antiflamme qui fait feu. Attendez, ça fait quoi, ça? Ouais, là, faut bien que je le stabilise. Hop, un pet vers la droite. Un pet vers la droite. Ah, attendez. Ok, donc là on est bon. Ah, mais en fait. Ah! Attendez, faut bien aller droit. Une fois qu'on est bien comme ça. Non, on pivote, 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 on pivote. Ok, on est good là. On est good, parfait. Ok, donc on a fini en soi le sanctuaire. Néanmoins. Néanmoins, néanmoins, moi je tiens au coffre qui est là-bas, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'avoir ce coffre. Hein? Quoi? Hein? What the fuck? Ok, oui. Attendez, mais. Ah! Tout simplement. Je me suis compliqué la vie pour rien. Est-ce pas non, Gerudo? C'est fou comme ça ne m'intéresse plus au final. Alors, donc ça, on va reprendre le cube. La cube du destin. D'ailleurs, en parlant de cube du destin, vous avez vu, il y a le jeu South Park, l'anel du destin. Donc, le deuxième volet des jeux South Park qui est sorti. Je vous ferai pas de l'esprit dessus parce que j'aime pas trop les RPG et tout comme ça, non, tour par tour. Les seuls que je peux supporter en vrai, c'est Pokémon et Final Fantasy à la rigueur. Oui, c'est comme ça, voilà. Sinon le reste, j'ai fini Dragon Quest Monster Joker, mais à contre-coeur, et surtout je l'ai fini avec la Action Replay. J'ai... Ah non, on a pas fini en fait. Hop. What the fuck? What the fuck is that shit, bro? Ouais, moi, je te disais tous ces torches, hein. Toutes, hein. Ah, très bien. Mais on peut les allumer ou pas, comme ça? Wait. Alors, déjà, on a un petit coffre, là. Turubi? Un trident Gerudo. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec un trident Gerudo? Réfléchis juste deux minutes. Mais bon, on va pouvoir utiliser le coffre comme... truc papier.
Ah, génial. Allez, là, t'as du feu, mon gars. Oui. Mais... S'il vous plaît, je demande un remboursement de toutes les flèches de feu que j'ai pas de bêtement, là. Oula, tu peux pas être plus allumé que ça. Après, le dernier. Ça fait plaisir. Et voilà, nickel chrome. Ah, maintenant, épreuve réussie. Épreuve bien. Faites comme il faut. Du coup, examinez. On a le 119e emblème du triomphe. Plus qu'un, et on aura l'amélioration finale ainsi que la tenue des landes. Et ça sera over, terminé, down. Les sanctuaires, on fait une croix dessus. Mais déjà, on peut faire une croix dessus pour le coup, parce qu'on ira au château Ganon qu'à la fin du jeu. Donc bon. Mais au moins, une très 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 bonne chose de faite, les amis. On sera tous d'accord sur ça. Il y a des coffres qui se trouvent à proximité en mode what the fuck. Du coup, là, on va continuer sur les quêtes. Les quêtes. Donc au niveau des missions. Ouais, tu vois, regardez. Il ne reste plus qu'un souvenir, il ne reste plus qu'un sanctuaire, ouais, c'est bon. Entomologie, alors l'entomologie, où c'était cette mission déjà? L'entomologie se trouvait tout simplement ici, au relais, où en fait il fallait montrer 3 libellules différentes, et en fait ces 3 libellules, ben, j'ai réussi à les attraper, je ne sais comment, durant le SP, du coup on va montrer à la petite fille les libellules. Nous voilà donc arrivés pour montrer ici. Excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse pour le coup, parce que quelqu'un m'a appelé sur mon téléphone. Du coup, nous sommes arrivés donc dans cet endroit où on pouvait donner des petites libellules tranquillou bilou sympatoche à la madame, et la madame qui se trouve juste là. Du coup, June, Lu, avant que j'oublie, s'avance avec la libellule piment, Glugla et Volt. Gloops, très bien. Alors, est-ce que je peux les avoir? Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Va les donner à Souya toi-même, s'il te plaît. Eh bien, écoute, Tomatoutobel, si tu veux, Souya. Ah, elle sera contente d'avoir ses petites libellules avec elle. Eh oh, salut monsieur, tu veux quoi? Tiens, c'est pour toi. Et gentil quand même, en vrai, comme mec. On la connaît pas, mais on lui fait des cadeaux. Vraiment, c'est quoi? Ouah, des vraies libellules! C'est pour moi, vraiment, vraiment! Eh, Jujun, regarde, une vraie libellule piment! Et une Glagla, et une Volt! Bouge pas, je les amène pour que tu puisses les voir, regarde! Ah, éloigne ça de moi! Ah, génial. Génial. Ah mais en vrai, mais si vous étiez salaud comme ça avec grand frère et grande soeur, mais... Ah, au final, elle reste à côté des petites libellules. Lu, j'ai réussi à me calmer. Bien, j'imagine que je dois te remercier pour cette histoire de libellule. Tiens, prends ça. Et 100 rubis, tranquille. J'ai pas de problème avec les insectes, sauf avec les libellules. Tous ces yeux qui me fixent. Tu sais, les mouches, c'est pareil. Hein. Ouh là là, je me sens toute chose. Laisse-moi respirer un grand coup. Ok, entomologie donc terminée. C'est parfait, on avait juste à valider. Oh, excusez-moi. Ok, je vois combien de minutes maintenant il me reste de vidéo. Alors, le maître du bonheur, ça, on le fera plus tard cette quête. Parce qu'il nous faut vachement de rubis. Et il faut qu'on meuble notre maison. Mais ça va être long et chiant. Du coup, ça, je le ferai en accéléré ou en off. Le repas du soir. Et dès là, en lui ramenant une motte de beurre et un turbomax. Alors, est-ce que la mode de beurre des gens là? T'as la question. Parce que déjà, parce que ça, les modes de beurre, ça s'achète. On n'a pas de mode de beurre. Ok. Et on n'a pas de Turbomax non plus, je parie. Non, on n'a pas de Turbo. Ah, mais si, mais Turbomax! C'est les coquillages! Je suis bête! Mais oui, mais ça on peut avoir facile. On n'a vraiment pas de mode de beurre? Non! Sans avoir acheté pourtant. Bon. On n'a pas de mode de beurre. Très bien. C'est pas un problème. On va essayer d'en trouver un peu. Bon, il y a toujours Terry autour des trucs. Et bah, Terry. Ah. Est-ce que toi, t'as pas une quête à nous proposer entre nous? Non, c'est sûr. Bonjour. Ah, vous êtes un client? Oui. Ah, très bien. Récemment, un petit louche nommé Kilton a commencé. Ok. Ça parlait de Kilton, du coup, c'était pas du tout intéressant. On va se cacher. Alors, la mode de beurre, je sais où en trouver dans les différents villages. Néanmoins, là, ça va pas nous intéresser. Du coup, la madame, elle veut un Turbomax ainsi qu'une motte de beurre. Et la motte de beurre, on peut la trouver dans un village, on va dire, au hasard.
le village Zora. Du coup, on va s'y téléporter, on va récupérer cette petite mode de barre des familles, un petit turbo max, et ensuite on retournera voir la personne en question qui doit préparer ce fameux plat au turbo max. Parce que, mais est-ce que le turbo max, oui, oui, c'est un coquillage le turbo max, on est d'accord. Enfin, il me semble, oui, oui, c'est le coquillage, oui, 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 peut-être, je me rappelle vraiment plus que c'était le turbo max. De ouf, il me semble que c'est le coquillage. Attendez, on va aller voir tranquillement. Un Etsuyama. Donc, soit le village Zora, parfait. Sers-toi de ah, on est bien équipés, nous. Réveille, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Normalement, il y a des modes de beurre ici. Il n'y a pas de mode de beurre ici, je me suis fait complètement U. Mais d'une manière assez violente, quand même. Donc, moi, je voulais juste savoir, entre nous, ce qu'était un Turbo Max. Alors, on va aller dans animaux. Et maintenant, c'est le moment où tu recherches, en fait, tous les animaux. Alors déjà, dans les poissons. Attendez, Turbo Max, voilà, c'est ça. Alors, pitié qu'il y en ait un. Il n'y en a pas un à proximité. Il n'y en a pas un à proximité. Bon, les amis, on va se re-téléporter, je suis des... Pas s'énerver dans la vie, pas s'énerver, pas s'énerver, pas s'énerver. Ok, donc on va aller, maintenant. Excusez-moi pour ces petits changements d'écran assez répétitifs. On va aller se chercher un petit peu de beurre. Quoique je parie qu'on a du beurre, j'ai pas dû voir. On va aller chez les Kerudo pour aller chercher ce beurre. Parce que beurre chez Kerudo, je pense. Moi, plein d'accent bizarre, je sais pas pourquoi. Parce que moi, être très bizarre, du coup, on va... Je suis gênant quand même, j'avoue. Non, je suis vraiment désolé, je suis vraiment très très gênant. Donc, on a dit qu'on allait se transformer encore une fois en femme. On est reconnu par tous ces Gerudo comme leur sauveur ainsi qu'un faiseur de miracles. C'est bon, ça va, au bout d'un moment, faut pas déconner avec le Sarwell. Alors, oui, c'était mon ras-le-bol envers ce féminisme. Bordel avec lui, tous ces deux. Vas-y, dis-moi que t'as des modes de beurre sinon je crie au scandale. Je crie au scandale. Mais je crie au scandale, mais vraiment, les gars. C'est quand tu veux du beurre, t'en as pas, quoi. Dans le style what the fuck, what the fuck. Mais écoutez les amis, pour la troisième fois je vais me téléporter ailleurs, ça me dérange pas. On va faire le tour des 4 villages, tu vas voir, ça va être juste génial, juste pour une petite mode de beurre de merde. Ça va être beau, ça va être génial, on va s'éclater. Arrivé au troisième village, toujours avec le sourire, parce que dans la vie, il faut avoir le sourire. Ok, c'est bon, j'ai peur de tomber. Toi tu ne gères pas la boutique, toi non plus. La boutique elle est plus bas, on est d'accord. Qu'elle est là. Oh yeah. Mais regardez-moi cette gérance. Il a du beurre. Mais tu vois, pour la peine, ma cocotte, tu vois, t'as eu de la chance d'avoir du beurre. Car je t'achète tous les beurres. Tous les beurres que t'as, j'achète. Voilà. Bien. Du coup, on retourne au village, le truc machin bidule, pour lui donner son beurre et son turbo max. Comme ça, la meuf va pouvoir enfin nourrir ses gosses après 4 épisodes. 4, 5, 6, 7 même épisodes. Les gosses n'ont pas mangé, les gars. Je sais pas combien ça fait de journées qu'on a passé, mais les mecs n'ont toujours pas mangé, parce que le repas du soir, il attend toujours. Et en plus, ça va même pas être un repas du soir, mais un repas du midi ou un repas du goûter. Tu ne sais pas. Mais les gars, ça fait quand même 4 jours qu'ils n'ont pas mangé, même plus. Je sais pas si tu vois un peu le truc, je sais pas si tu vois un peu le délire, mais la mère, complètement inconsciente, déjà, elle demande à un étranger de rapporter des... ses courses. En plus, elle fait pas bouffer ses gosses, porter la cul, mais quelle mère indigne. Enfin, je sais pas, tu leur donnes un peu de pâté pour chien au pire, mais... Mais merde, quoi. Non, mais c'est vrai, là. Pas de conner. Hé, madame. Ah, je vois que tu as trouvé tous les ingrédients. Je peux les avoir, bien sûr. Merci beaucoup, je les prends. Tiens, c'est pour te remercier. Alors, ne fais pas de manière. J'ai dépensé 60 rubis. Tu m'en donnes 50. J'ai l'impression d'être un peu fait arnaquer. Mais heureusement, on mange avec elle. Ça va, on a un repas gratuit. Du coup, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Paella de la mer. Oh, bon appétit, j'espère que ça te plaira. Mais c'est gentil, écoute, mais je m'en contrefiche chez Castagnette. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va un cheval tout en os. Alors, elle, on a déjà fait sa quête, suffit juste d'aller la voir et elle est là-haut. Génial. En fait, on va se balader de relais en relais, de village en village pour juste valider les quêtes. C'est plutôt sympa et au moins on retrace un peu toute l'aventure. Et c'est plutôt nostalgique, plutôt sympa. Donc, bon, moi je crache pas dessus pour le coup parce que
Les gars, c'est cette aventure qui touche à son terme là bientôt. Alors, par contre, j'ai froid. MDR lol. Qui touche bientôt à son terme. Bah, au final, elle fut longue, périlleuse aussi. On a bien galéré sur les débuts. La fin, non. On a vraiment pas galéré sur la fin. Et ça, je suis content. J'ai l'impression de me sortir, de me faire abuser là. Mais elle est où l'entrée? Bon, mais qu'est-ce que tu fais toi? Ouh, ça caille, ben oui, merci. Que faire, que faire? Alors, comme ça, comment ça se passe? Tu as trouvé un cheval squelette, il semblerait qu'il en est au nord et aussi près de... Trouvé! Tiens, regarde-moi un peu sur ma tablette graphique. Super, en plus il est beau. Quoi? C'est ça un cheval squelette? Mais c'est un stal d'estrier? C'est un monstre! Quelle frayeur, je vais en faire des cauchemars. Par contre, ta reproduction est fabuleuse. Je sais, merci. Laisse-moi recopier ton dessin. Merci, j'ai cru qu'il avait dit MDR. Merci, cette image est incroyablement réaliste. Je vais, c'est vraiment toi qui l'as dessiné. Voici ta récompense, faisant bon usage. Les gars, là on est en train de rafler tous les rubis du monde. Merci encore, j'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de travailler main dans la main. Oui, enfin travailler main dans la main. T'as recopié, je suis allé me geler les castagnettes au loin. Alors, suce au cryo-rock. Donc ça se trouve, il me semble, au... Ah. Oh oh oh! Village piaf! Sauf que là, il nous demande de faire un combat. Du coup, on va aller combattre ce monsieur, vous voyez? Parce que combattre, c'est 1 et 1 est égal 2. D'ailleurs, 11. Je sais même pas faire JCVD. Je crois que ma vie, c'est de la merde en fait. Je sais même pas imiter Jean-Claude Van Damme. En gros, on s'est entraîné toute la journée avec un pote. Toute la journée! Calme-toi. Calme-toi, Italo. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une défaite, pas mutant d'autre. Ça ne va pas amocher à ta vie, à ta fierté, à ton honneur. Quoique si, un peu en fait, le mec il s'est pas imité JCVD quoi. Bonjour. Bonjour messieurs. Du coup, nous on va aller tataner le petit pote qui est là-bas. Donc oui, mais ça fait longtemps qu'on a pas été dans la neige. Vous savez, comme j'adore les hommes de neige, oh, putain je sais plus changer d'arme les gars. Putain, je suis vraiment paumé dans les let's play. Merci. Mais vraiment, mais de ouf. J'avoue que ça fait quasiment une semaine que j'ai pas joué, mais quand même. Ah, faut pas déconner les gars. J'ai passé plus de 48 heures de ma vie sur cette play quoi. Bon. Allez hop. Ouh dame. Ouh dame. Ouh dame. Ouh dame. What the fuck. Y'a un dragon. Ouais, ah, pas de dragon. Très bien. C'est juste comme ça. C'est cool non? Ouais. Alors. Sur les gros champis comme ça. Il est où le cryo-rock? Il est là? Il est là ou pas? Est-ce qu'on dirait pas qu'il serait en bas? Hein? Mais oui! Regardez, il est juste là. Eh en gros! Tu peux sortir s'il te plaît? Ah, voilà, il attendait le petit s'il te plaît des familles. Ah, donc on va sortir les flèches de feu. Là, tu fais MDR LOL. Ensuite, tu fais. Attendez. Mais... Oh, mais c'est pas possible. Je suis trop nul en vrai. Tu fais MDR LOL. Là, tu fais... Hop. Et bon, là, c'est la démandade, tu vois. Là, le gars, il est en train de mourir. Mais comme pas possible. Et maintenant, tu vois, tu as fini le combat. Et donc, la quête qu'on te demandait de faire, et ça, c'est beau. De plus, tu récupères un peu de minerais précieux. Et ça, ça rend encore mieux, les gars. Là, on se met trop bien. Oh, regardez-moi tout ce saphir. Yes. Alors, mais go, on va porter notre mission. On va se téléporter à la même vidéo. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de sanctuaire à côté du sanctuaire. Qu'il n'y ait pas de sanctuaire à côté du relais. Merci, je vais y arriver. Voilà, la cube, c'est peut-être normal. Écoutez, de toute manière, je sais où est le dernier maintenant. Donc, oui, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Du coup, voilà. Donc là, on a réussi à faire une quête supplémentaire. Sauf que je vais passer en même temps faire la quête de la mariée qui voulait une pomme grillée. Et l'autre demeuré qui voulait du sexe. Mais il me semble que l'autre demeuré, on a déjà fait sa quête, étant donné qu'on lui a déjà donné du sexe. Mais je vais quand même donner la pomme grillée à la mariée. Parce que la pauvre, elle attend sa pomme grillée. Mais elle aussi, ça fait plus de 7 mois qu'elle est dans cet endroit paumé et qu'elle attend sa pomme. Je me dis, enfin, mais qui serait assez con pour attendre une pomme pendant 7 mois, quoi, merde. Je sais pas. Un peu de bon sens, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est pas là, madame? Non, elle est pas là, madame. La la li la l'air.
Salut, non mais franchement, quelle idée de venir passer sa lune de miel chez Piaf. Faut en tenir une couche, non mon rire me présente sans cesse des excuses pour avoir amené ici, mais ça me fait une belle jambe, le moins qu'il pourrait faire, ça serait de m'apporter une pomme grillée. C'est quand même pas le bout du monde, non. J'ai pas de pomme grillée. Mais meuf, hop. Tu vois, tu prends ta pomme. Et tu la grilles. Voilà, et maintenant, t'as une pomme grillée. Et ça, c'est beau. La cuisine d'Italo, t'inquiète. Quoi? Eh, hey, je connais cette odeur, toi, tu as une pomme grillée sur toi. Tu veux bien m'en donner une, je te donnerai un truc en échange. Pas de problème. Sérieux? Eh, hey, merci. Tiens, chose promise, chose due. On peut bien ajouter. C'est mon mari qui a préparé cette pomme grillée. Ma foi, tant que c'est bon, je ne vais pas faire la difficile. Les pommes grillées, ça se mange sans faim. Apporte-moi autant que tu veux. Écoutez, contente que ça lui ait plu. Du coup. Je suis vachement content pour elle. Et puis les gars, on va aller valider la quête auprès du Piaf. Donc il nous a demandé de faire cette quête. Et ensuite on va s'arrêter là. Bon, on va faire un petit checklist de ce qu'on va faire pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Mais on va pouvoir s'arrêter là ensuite, parce que pour le coup, on a fait pas mal de quêtes. Hein. Bon, on en a validé plutôt pas mal. Et puis voilà. Tiens, c'est lui là. En fait, il est en mouvement, mais... Ah, 2 minutes. On va... Eh, pépère. Ouf. Bonjour, que puis-je faire pour toi? Je l'ai vaincu. Comment ça, tu l'as vaincu? Tu as vaincu quoi? Pas le créorgue de la vallée de bizarre quand même. Je n'aurais jamais cru qu'un Ilyar était capable de triompher d'une créature aussi puissante. Eh, hey, je suis le héros, calme-toi. Mais tu m'en vois ravi. Si cette chose s'était approchée du village, j'aurais laissé des plumes, c'est certain. Tiens, prends ça. Tu as bien mérité. Putain, les gars, on se fait masse thune. Ok, bien. Sur ce créorgue, terminé. Alors, franchement, il ne nous reste pas énormément de quêtes, les gars. Alors, le maître du bonheur, donc ça on a dit qu'on le ferait plus tard. Le secret de la montagne, ça on peut aller checker pour le coup, ça on peut aller voir, parce que ça fait très longtemps qu'on a cette quête. Vol les ballons, alors ça il me semble qu'il faut des estomacs d'Octorok, enfin des viscères d'Octorok pour le faire. L'épée oubliée, ça c'est pour avoir les bottes de neige. Ça je sais où aller, l'épée oubliée. J'achète des champignons, alors là il faudra 50 champignons à tempo, les gars, c'est ouf. Les pierres de mémoire, ça aussi il va falloir faire un petit peu le tour. Cœur à la dérive, Marjorie on l'a jamais trouvé. La cachette du héros, ça je sais la faire. La fossile de baleine, ça on la check. Les armes du château, ça sera plus tard. Les recettes royales, pareil. Et un véritable carnivore, ça faut juste trouver le mec et lui donner sa viande. Du coup, je pense que dans le prochain épisode, on aura résolu 98% des quêtes. Oui, oui, les gars. Oui, oui, oui. Et puis ça veut dire qu'on s'approche du moment fatidique du château, surtout. Ça veut dire ça. Du coup, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si n'hésitez pas à lâcher le lourd pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter. Ça me ferait juste extrêmement plaisir à moi aussi. Et puis je vous dis à un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, dans un prochain SB. Bref, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye.